Et salut à tous les amis de la chaîne, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va super bien aujourd'hui. On se retrouve pour une vidéo technique de farming. Alors aujourd'hui la technique farming sera pour les élixirs noirs et aussi pour l'or, parce que vous pouvez de l'or avec. C'est tout simplement le full dragon, tout simplement. Donc si vous êtes riche en élixirs, que vous en avez plus besoin comme moi par exemple, là je suis full élixir et j'en ai plus besoin. Alors du coup, vous pouvez faire du full dragon pour vous trouver des cartes noires et de l'or. Parce que du coup, bah, vous aurez plus besoin. On va améliorer cette bombe. Et d'ailleurs, je compte, comme vous pouvez le voir, la GE8 est plutôt pas mal avancée. Il nous reste juste nécessaire à améliorer. Et il nous reste aussi dans le laboratoire et les murs. Et ça, je ferai à la fin. Et on va, et dans cette vidéo, on va essayer de s'améliorer les chevaux chargés. On va essayer. Alors normalement, ça capture bien, parce que je peux vous dire que toutes les fois où j'ai essayé de faire cette vidéo et que l'ordi s'éteint, j'avais les nerfs, je crois. J'avais les nerfs. Oh là là là. On essaye. Ouais, parce que de toute façon, il nous manque juste le temps. Attends. Allez, brûlez-moi tout ça. Allez, bah, je vais être un monde à cracher. Allez, c'est pas venu à écraser. Attends, de rage. J'avoue, je suis jamais serein quand j'ai fenêtre. Parce que bien souvent, ça m'envoie encore un temps de rage. Alors, du coup, j'ai un peu les nerfs. Je suis un petit peu dégoûté. Bla, sort de rage. Allez, vas-y. Et surtout, rage qui part. Ah, c'est bon, on rage qui part. Hop. Alors, je mets en haut, je mets en bas. Je mets en bas, parce qu'il y a la défense intérieure. Voilà. Bim. Bim. Hop, bim. Allez, défense intérieure, bim. Bim. Et ça se fait. Hop. On détruit le roi des barbares. Ah non, le retour de la mouche. La mouche, le retour. Pour ceux qui ont regardé la vidéo, le retour que j'ai fait il y a quelques mois, où il y avait une mouche qui arrêtait pas de m'embêter dans la vidéo. Et bah, elle est de retour. Oh non, je sens qu'elle va m'embêter toute la vidéo. Vas-y, dragon. C'est bon. Yes. Non mais t'es sérieux, il reste le roi. Non mais il reste le roi et il reste un dragon. Bon, le roi il va détruire la tour marché. Hop, voilà. Bim. Je crois que le dragon il va pas y arriver. Vas-y. Bon, de toute façon après on a gagné hein. Juste la déparation de sortie, bim, c'est bon. Non, t'es sérieux, il reste que 50 secondes. Bon, au pire, c'est pas grave, de toute façon. On fout un peu de trophées. Vas-y, les dragons, détruis-nous tout ça. Hop, on casse. Voilà. Il nous reste juste de l'élixir, mais de toute façon, on est full. Donc il nous manque encore 400 000 et on va pouvoir s'améliorer des chaucheurs. Là je sens que je vais devoir faire un farm intensif élixir noir. Tout simplement parce que il me reste plus d'élixir noir à améliorer. Bon après il nous reste aussi des murs, mais il ne faut pas sortir d'élixir noir après. Allez, il reste 10 bombes pour aller terminer. Juste pour aller sur la cabane. Ça va être simple. Ça va être Tigidou. Hop. Nickel. On rentre à la base. Voilà, bon, comme ça on peut. On va avoir nos chevaucheurs de cochon. Hop, on retourne derrière. Et comme du coup j'ai toujours mes extracteurs pleins, bon. Comme ça c'est bien. On va continuer d'essayer de chercher des extracteurs noirs. Parce que l'extérieur, bah, c'est bien. 360 termes, c'est énorme.
322 000 ans, c'est énorme. On trouve vraiment des perles en ce moment. Donc je vais revenir sur niveau 1 jusqu'au bout. Ah, pour le flashback de niveau 1 jusqu'au bout, en fait il n'y en aura pas. Tout simplement parce que la série elle a été un peu trop courte. Et j'ai pas envie de faire un flashback qui dure une minute. Ce sera un peu nul. Et puis de toute façon, vous avez juste à regarder les épisodes, il y en a que 5. En gros, vous avez une heure de niveau 1 jusqu'au bout. Même pas. Voilà. Oh non, non, mais tournez pas vide, arrêtez. Ah, ça va, le mec il est avec des défenses intérieures, mec. Bon, là, un petit sort de rage. Voilà. C'est toujours mieux pour tout casser. Pour casser des bouches. Voilà, bon, là aussi on va mettre un sort de rage. Hein. Bim. Bim. Ça one shot presque. Allez, je suis à tout le temps, il est tombé. Je crois que va y avoir la défense antiaérienne qui va faire extrêmement mal à mes dragons qui restent. Surtout qu'il reste plus que pratiquement que cette défense. Bon, avec la tour d'archer, la Tessa. Mais bon, c'est quand même la principale défense antiaérienne. Hein. C'est pas pour rien qu'elle porte le nom de défense antiaérienne. Ouah. Ça fait trop, elle fait trop mal en vrai. Allez-y. Voilà. Ah oui, il nous reste nos deux dragons. Il reste nos deux chevaliers. Ah, arrête la mouche. Voilà, on est à 30 000. Il en met à 632 000. Oh non. Vas-y. 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 Oh là 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 là, c'est énorme. Bon, par contre, tu détruis notre ennemi. Je te demande de zoomer, je te demande pas d'utiliser un truc. Boum. Ah, voilà. Bon, maintenant, oh, ça va. Ah, ouais. Ouais. Ouais, ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire, les amis. Ça va le faire. Bon, bientôt le passage à HD pour l'HDV7 sur le petit compte. D'ailleurs, on change de gestif, on passe en cristal du coup. Parce que le master c'est un peu trop long. Et surtout que j'arrête pas de me faire défoncer en défense. Donc, du coup, comme j'avais envie de passer à GA8 le plus rapidement possible, du coup, je vais l'améliorer. Voilà, 100%. Nickel. Plus 31 trophées, c'est toujours ça de gagner. Je suis presque à 1700. Et donc, rechercher, bim, on va lancer nos chevaucheurs, ça dure 6 jours, hop, on les lance. Donc dans 6 jours, j'ai mes chevaucheurs. Bon, après, il me reste ça. Après, c'est les Tesla et l'hôtel de vie déjà. Donc, comme vous pouvez le voir, il me reste juste mes Tesla en comme ça, et le roi. Donc, ça va aller extrêmement vite. Ça va être super bien. Donc on va se faire une petite attaque en bas des ouvriers aussi. Donc en ce moment, ça vient, ça dépend. Là par exemple, je me suis occupé des meilleurs en 2 étoiles. Là j'ai gagné. Donc on va se faire attaque. Donc qu'est-ce que je perds? Enfin bon, ça ils sont un petit peu terrible. Chaud. Bon bah on va attaquer par là. On va d'abord se faire attaquer. Oh, il a essayé de défoncer mes barbares là. Je vais pas rêver. Hop. Bon déjà je vous dis tout de suite, ça fera pas 100% du tout. Et ça fera même peut-être pas le 50%. Parce que là c'est un peu mal parti.
Bon, on est déjà à 44%, il y a pas mal. Dans 48%. Allez, allez, pétez la mine d'or. Pétez la mine d'or. Pétez la mine d'or. Oh non, là, c'est ça. Ok. Ça fait 53% et une étoile. Ok, bon. C'est pas terrible. Pas terrible. Et on a quand même gagné. On est fort. 80 000. Waouh. 80 000. Bon, on peut rien améliorer dans le labo. Améliorer les pépites. Non. Pour l'instant, on va s'améliorer. Je sais pas quoi. On peut. Ah, bon, ceux qui sont mis, c'est trop cher. Qu'est-ce qu'on peut s'améliorer? Rien s'améliorer comme ça. Oh, c'est sûr. La tour de horloge. Non, pas 80 000. Pas 80 000. 240 000. Wow. Ah, bah, je vais. Pour l'instant, je vais. Non, ouais, bon, je vais pas compliqué. Pour l'instant, je vais garder un petit peu pour construire. Le méga Tesla. Wow. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter ou à la partager et à vous abonner à la chaîne YouTube, et on se dit tchou.